Yo, yo, what's up? This is Sendog from Power Flow, hanging here with Roy, Christian, and Billy. What up? You are listening to Rockin' Mel. Yeah! 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 Salut les potes métalleux! Vous écoutez Rockin' Mel, version 4.0, présentée par Yvette Horny et Alex. Du métal, des nouveautés et des blagues nulles, toutes les semaines sur radiometal.com. Come on! Bonsoir les amis, bonsoir les Metalheads et bienvenue dans la 73e émission de Rock'n'Mail 4.0. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous, ça a été super, on vous a préparé, Vivi vous a préparé une super émission. C'est moi qui la présente parce que les deux dernières, j'ai pas été très très présent, donc je prends le micro et la technique. On commence donc cette nouvelle émission et cette nouvelle soirée par Vendetta avec le titre South, suivi de Easy Rain avec le titre Brokenly Design. There's nothing you want.
Présent en Allemagne. Écoutez Evelon. C'est un groupe de metal symphonique fondé en 2010. Ils nous proposent là leur deuxième album, Ascending in Synergy. Il sortira le 17 mai prochain chez Napalm Records. Et pour se donner un avant-goût de cet album, un titre, A Vagabond's Heart. Suivi de Soul of Diotima, qui a sorti son cinquième album le 22 mars dernier pour les 20 ans du groupe, et un titre pour le défendre, Another Day in Paradise.
righteous wails. Deep within is a void.
Maintenant, écoutons Priest. C'est un groupe de synthwave qui sort là son 4e album. Ça sortira le 31 mai prochain et il s'intitule Dark Pulse. C'est avec Mercury, l'ex-bassiste de Ghost. On a un titre ce soir, Black Venom, suivi de Tempérance, avec le titre Welcome to Hermitage, tiré de Daruma's Eyes.
sign of mankind was left around him. Nothing reminds of Luxor. He can only think about that little doll. The drawing in its eye is stealing his mind. Well, now from the door, don't appear next to him. What happened? Where is he? Rock'n'Mail n'est pas une émission Rock'n'Mail sans un groupe de Suède. Et là, nous en avons trouvé un nouveau. Il s'intitule Lips. Ils sont donc suédois, formés par les frères Klinberg, Alex au chant et à la guitare, encore un Alex, ouais, il y en a un petit peu partout, hein, là quand même, et Koff, son frangin, à la batterie. Ils ont vu le jour en 2011, et là, ils ont signé chez Frontier Records. L'album s'appelle Changing the Melody. C'est sorti le 15 mars dernier. On a pris deux titres ce soir parce qu'on aime bien ce groupe. I Am Going Under, celui de I Will Die For You. C'est un bon titre de glam rock. I've had enough. I gotta break free.
down, I've been broken. I've been lost in a crowd. By the time I was reckless, I was chased by the clouds. But when you hold me, the stars. Après la Suède, bon, on va aller en Allemagne encore pour écouter du Rage. Ce trio, fondé en 84, a sorti quand même jusqu'ici 27 albums. Et là, ils nous en sortent un double. Ouais, ils sont assez productifs, les garçons, parce qu'il y a quand même 3 albums live et 5 compiles en plus. Hein, donc vous avez de quoi faire si vous aimez ce groupe ou vous le découvrez ce soir. Donc cet album, ce double album, devrais-je dire, composé de 21 chansons,
11 sur le premier CD, Afterlife, et 10 sur Lifelines. Donc c'est sorti le 29 mars dernier chez Steamhammer SPV. On vous propose donc deux titres, Mortal et Justice Will Be Mine. Yeah.
Et pour clôturer cette émission, déjà le groupe Alterium, qui reprend le morceau de Sabaton Bismarck, c'est sur l'album Of War of Flames, donc c'est du power mélodique italien, le groupe fondé en 2022. Et là, cet album est sorti le 8 mars dernier chez AFM Records, et bien sûr, donc c'est leur premier album. Et on terminera donc cette émission par une interview. On n'en fait pas des masses ces derniers temps, mais là, on a été faire un petit tour au salon de la bande dessinée d'Angoulême, et on a rencontré Riyad Satouf. Et comme c'était lui le grand prix de l'année précédente, il a eu le droit, cette année, à une expo. Et dans cette expo, on voit sa chambre de jeune adolescent, et on voit dedans Slayer. Et oui, il y a une reproduction d'un album de Slayer. On en a fait une petite discussion, on en a parlé, et puis il passait même du Slayer dans cette expo. Donc c'était assez atypique et fort plaisant. Et donc, le soir même, on a pu faire une interview de Riyad Satouf, que vous allez écouter juste après Bismarck. Et il nous demandait de passer un morceau, bien sûr, de Slayer. Et bien sûr, on n'a pas pu dire non quand même.
je suis avec Riyad Satouf, qui a eu une très jolie exposition, très 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 belle. Comment ça va ? Ça va très très bien. Alors, j'ai pu voir dans cette expo, ça parlait de vos films, de l'Arabe du futur, et aussi de votre chambre. Et dans votre chambre, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, que j'apprécie énormément qu'on le montre. Vous êtes fan de Slayer et de Dave Lombardo. Slayer, ouais, bien sûr, évidemment. Bah, c'était impossible de parler de l'adolescence sans parler de musique et, en ce qui me concerne, de parler de métal. Donc voilà, et c'est présent dans l'Arabe du futur, et donc je suis un énorme fan de Slayer et de Dave Lombardo. Enfin, je les aime tous, même s'ils ne s'aimaient pas vraiment entre eux tous, mais moi, je les aime bien quand même. Mais ce n'est pas vraiment moi qui ai choisi de les mettre en exergue comme ça, c'est la scénographie, mais j'étais très content, en fait. C'était super. En plus, ils diffusent The Antichrist. Exactement. Et alors, vraiment, moi, si je peux vraiment faire la pub pour le diable, je suis hyper content. The Antichrist, l'une des meilleures chansons de Slayer. Vous pouvez la diffuser, d'ailleurs, après. Juste après, on la diffusera après l'interview. Et c'est top. Bah voilà. Et comment s'est faite cette exposition ? Vous avez lancé des idées ou ils vous ont présenté le projet déjà tout fait ? Non, alors quand on est Grand Prix, en fait, on est élu par les autres dessinateurs, donc ça fait hyper plaisir et en même temps c'est anxiogène parce qu'il y a une espèce de... c'est comme si c'était quelque chose de final, je sais pas comment. Alors je voulais absolument pas que ce soit une rétrospective ou un truc comme ça parce que je suis encore jeune et donc j'ai proposé de faire une expo sur l'Arabe du futur qui est la bande dessinée que j'ai faite pour les lecteurs qui lisent pas, enfin qui connaissent rien à la BD, et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de faire une expo de BD pour des gens qui connaissent rien aux expos de BD ou à la BD. Et donc j'ai proposé à Caroline Brouet qui est journaliste de s'occuper d'être la commissaire, et donc elle connaît pas très bien la BD, enfin pas très très bien, elle adore la bande dessinée mais elle n'est pas dans le milieu BD, et donc elle a ouvert le champ sur d'autres domaines et j'ai trouvé ça super, je l'ai laissé faire quand même, vraiment. Alors ce qui était assez étonnant, c'est d'entendre, parce que moi quand j'ai vu l'expo, c'était du Nirvana qui passait, avec du Slayer et du Juliette Je t'aime. C'est quand même un sacré cocktail d'étonnant. Et oui, et du Bernard Minet surtout, il faudrait peut-être préciser, car c'est l'interprète de la chanson Juliette Je t'aime. Eh bien oui, voilà, c'est un joyeux mélange de tous nos plus beaux souvenirs des années 90. Et donc, il y a aussi Still Loving You de Scorpion. Voilà. Donc il faut absolument venir voir cette expo. Vous le regretterez pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, on écoute tout de suite The Antichrist de Slayer. Yeah.
Bon, bah voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite donc une très très bonne soirée sur nos ondes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut, salut.